je commence la marche. Alors, il faut accepter de partager votre localisation. Vous me faites marcher le matin sur un froid de canard. Et vous ne voulez pas vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Alors, les gars, j'ai activé ma localisation. Et vous pouvez voir que la marche a commencé. OK? Donc, j'ai 5 énergies à brûler. Je n'avais pas prévu brûler ces 5 énergies-ci. Mais je vais le faire juste pour la communauté. Alors, vous voyez, alors on me montre mon nombre de pas. On ne me montre pas encore la vitesse à laquelle je marche. Bon, je suppose que ça va prendre un peu de temps. On me montre le temps que j'ai déjà mis pour depuis quand j'ai commencé la marche. Donc, les gars, on marche et je vais voir avec vous combien de boons je vais pouvoir générer et combien de kilomètres ça. L'attente a été interminable. Mais après plusieurs mois d'attente, alors qui pour moi était comme des années, l'application Oyabun est enfin disponible sur Play Store. Si vous êtes abonné à cette chaîne, vous connaissez sûrement Oyabun parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Ce Play to Earn là, qui pour moi est l'un des meilleurs projets en cette période de bull market. C'est un projet qui va allier un Move to Earn, mais également un Play to Earn. On va voir en détail vu comment est-ce que l'application fonctionne. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est disponible sur Play Store. Je vous laisse bien sûr tous les liens en description. Vous pouvez le télécharger. Alors, je le rappelle vraiment, vous allez gagner de l'argent en marchant. On va aujourd'hui comment s'inscrire, comment se connecter, comment amener les nos NFT dans la plateforme, dans l'application mobile, comment commencer à jouer, comment faire combattre nos Yakuza. Les gars, j'ai eu 3 jours de retard, mais on va essayer de se rattraper. Je vais essayer d'être le plus concis et le plus clair possible. On voit tout ça en détail après le... Comme je vous l'ai dit, on va commencer vraiment dès le début. On va commencer par télécharger l'application. Alors, si vous ne l'avez pas cliqué sur le lien, vous faites juste la recherche Oyabun sur Play Store. C'est le premier élément de recherche qui sort. OK, le premier résultat. Et vous pouvez l'installer. Il pèse aux alentours de 30 mégas. Faites très attention parce qu'on le sait. Lorsqu'il y a ce genre de show, il y a souvent beaucoup de scams qui essayent de copier l'application pour des funs. Obscur. L'application a fini de télécharger et je clique directement sur Open. OK, donc ce que j'adore déjà et j'adore depuis le début du projet, c'est le design. Le design de l'application est magnifique, c'est très beau. Alors, on vous dit ici qu'il y a environ 285 mégas à télécharger en plus pour pouvoir, n'est-ce pas, profiter du jeu. Donc, vous cliquez juste sur Download et vous patientez quelques temps que ça finisse de télécharger ça. Alors, ce sont des éléments qui sont importants pour le jeu parce que vous savez, le jeu est un cadre agréable avec des sons, des graphismes poussés et cela prend de l'espace. OK, donc ils n'ont pas voulu mettre tout ça dans l'application et ils préfèrent que chaque fois que vous installez l'application, que vous téléchargez ça en surplus, ça donne une meilleure expérience et surtout une légèreté à l'application. Donc on va patienter quelques instants que ce téléchargement finit et on revient encore dans la suite. Après une attente interminable, j'ai pu enfin installer les différents add-ons, les différents éléments qu'il fallait télécharger pour pouvoir lancer l'application. Alors, je ne sais vraiment pas si c'est au niveau du module de téléchargement du jeu ou alors c'était ma connexion Internet. Faites-moi un retour dessus que je puisse savoir si c'est au niveau de l'application pour qu'on puisse leur faire un retour ou alors si c'était juste ma connexion Internet qui a pris beaucoup de temps. Vous l'aurez même remarqué, j'ai carrément changé le t-shirt tellement j'ai attendu. J'étais vraiment fatigué d'attendre. J'ai dû me remettre un peu d'appoint pour pouvoir continuer la vidéo. Alors maintenant, je vais entrer l'email que j'utilisais avant sur la plateforme Oyabun et je vais en confirmer avec le mot de passe qu'ils vont m'envoyer. Alors, je conseille de faire ça à tout le monde qui, justement, avait déjà un email auparavant par rapport à ça. Bon, si vous découvrez la plateforme pour la première fois, vous pouvez utiliser votre email. Alors, ils m'ont envoyé un code par mail. Je vais l'entrer ici pour pouvoir, n'est-ce pas, me connecté ou alors mais est-ce que je l'ai déjà reçu, vous avez entendu le mail sonner. Donc je vais directement aller entrer ce code là pour pouvoir me connecter sur l'application. Donc je suis sur l'application et on me propose d'accéder au white paper ou d'accéder à un tutoriel de débutant. Bon, on va pas rentrer dans ça maintenant. Bon, le white paper, je crois qu'on va faire vraiment une série de vidéos où on va relire en entier ce white paper ci et vous voyez pour l'instant j'ai cette interface ci. Alors, c'est vraiment très beau, okay? Vous pouvez le voir, c'est tout simplement magnifique.
et c'est l'interface du jeu Ouya Bloom. Alors vous avez ici, il y a A7, hein, c'est les éléments que j'ai, les arènes pour faire les combats, ok. Home, ça c'est l'accueil. Les ligues, ça va venir par la suite. Et Marketplace, ça va venir par la suite. Alors ce que je dois faire ici, c'est que je dois importer un wallet, ok. Donc je vais ici importer le wallet que j'ai, n'est-ce pas, créé depuis. Vous savez, lorsque vous avez, lorsque Ouyabun se lançait, on a acheté des NFT avec un wallet. Alors, je vous le rappelle, je vais laisser une vidéo épinglée plus haut où je vais vous montrer comment on avait fait ça. Donc, je vais chercher à importer ce wallet-là ici pour que, n'est-ce pas, l'application puisse directement reconnaître mes NFT. Ok? Donc, je le fais. Je vous montre comment je le fais. Alors, pour le faire, c'est pas du tout compliqué. Vous cliquez sur Import with Seed Phrase et il faut entrer sa phrase secrète de son wallet pour justement pouvoir l'importer dans le jeu. Alors, je vais pas l'entrer quand même ça en face de vous là. Je vais l'entrer rapidement et on se retrouve par la suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai importé mon wallet Polygon. Alors, mais il y a un souci que j'ai eu et ça m'a pris pas mal de temps. Alors, je vais vous aider rapidement en vous résumant cela. Donc, si quelqu'un a ce problème-là, il pourra facilement s'en sortir. Alors, ce qui s'est passé, c'est que sur mon wallet MetaMask, j'avais plusieurs comptes, ok? Donc, comme vous pouvez le voir ici, je vais revenir très rapidement au niveau. Ok, comme vous pouvez le voir ici sur mon wallet MetaMask, j'ai plusieurs comptes. Donc, mes NFT étaient stockés au niveau de mon second compte Polygon. Donc, lorsque j'ai importé ma seed phrase, vous pouvez voir que je n'ai pas directement reçu mes NFT parce que c'est sur le second compte. Et lorsque vous importez un wallet avec une seed phrase, en général, ce qui est importé automatiquement, c'est les comptes principaux, les premiers comptes. Donc, ce qu'il faut faire en général ici, c'est que vous devez aller sur OpenSea, ok? Parce que la plateforme Ouyabun a transféré l'ensemble de vos NFT sur votre compte OpenSea. Vous allez sur votre compte OpenSea et vous regardez au niveau de l'onglet Hidden, ok? Donc, vous allez à mort ici, vous allez regarder au niveau de Hidden et vous allez voir vos NFT. Lorsque vous allez voir vos NFT, donc, vous pouvez transférer ces NFT-là vers n'importe quel wallet. Et justement vers le wallet du jeu, ok. Donc il y a un wallet dans le jeu, vous pouvez créer un nouveau wallet et transférer vos anciens NFT vers ce wallet là, ou alors vous achetez des NFT et vous les transférez vers ce wallet là. Donc ce que je vais faire ici, je vais transférer tous ces NFT ci dans mon wallet du jeu, dans mon wallet, dans mon second wallet, ou du moins dans mon wallet principal, parce que ceux-ci étaient dans mon second wallet. Après beaucoup de travail encore, j'ai finalement réussi à transférer mes NFT dans mon wallet. Alors vous pouvez le voir ici, ce sont mes différents NFT, mes Cyber Yakuza. J'en ai trois. Alors trois que j'ai acheté depuis. Je vous laisse la vidéo où j'effectue l'achat de ces trois NFT-ci. Alors je l'ai effectué lors du lancement et c'était à un prix vraiment cadeau. Alors vous allez voir, maintenant j'ai la possibilité de lancer une marche en choisissant un de mes Yakuza. Alors vous voyez ici, j'ai le prochain chargement va se faire dans une heure. J'ai 5 sur 5 énergie. Alors, il faut savoir que si vous avez des NFT rares, ça vous augmente le nombre d'énergie. Et c'est cette chance-là que j'ai ici. Alors, pour ceux qui avaient des tokens stackés, il faut savoir que vos tokens stackés vont être reversés après. Donc, le site de stacking est en maintenance. Donc, maintenant, il reste une dernière chose, sortir et aller tester tout ça pour voir combien de boons est-ce que je vais gagner. Je pense que le boon est déjà listé. En tout cas, on verra combien de dollars ça fera, mais ce n'est pas trop l'objectif maintenant. L'objectif, c'est une bêta privée. Donc, l'objectif, c'est de tester et de remarquer des bugs. Alors, j'en ai remarqué déjà quelques-uns. Je vais en faire part à l'équipe, justement au niveau de changer le wallet. Parce qu'au début, j'avais fait une erreur. Il me fallait changer le wallet et ça ne me passait vraiment pas. Ça me faisait que me dire que le code est incorrect. Donc, je crois qu'à ce niveau, il pourrait revoir cela. Donc, les gars, je crois que vous avez tout le tutoriel pour pouvoir vous lancer. Si vous avez des soucis, comment envoyer vos NFT, écrivez-nous et on pourra vous aider un peu plus. Mais comme je vous ai dit, vous partez juste sur votre OpenSea avec votre adresse et vous pouvez transférer ça dans une autre adresse. Faites vraiment très attention avec vos différentes adresses et vos clés privées surtout, parce que il y a quelque chose qui m'est arrivé. Je vais vous parler de ça dans une autre vidéo. Je ne veux pas parler de ça maintenant. Donc maintenant, pas essayer de marcher. Allons-y, let's go. Je commence la marche. Alors, il faut accepter de partager votre localisation. Vous me faites marcher le matin sur un froid de canard. Et vous ne voulez pas vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Alors, les gars, j'ai activé ma localisation. Et vous pouvez voir que la marche a commencé. Ok? Donc, j'ai 5 énergies à brûler. Je n'avais pas prévu brûler ces 5 énergies-ci.
Mais je vais le faire juste pour la communauté. Alors, vous voyez, alors on me montre mon nombre de pas. On ne me montre pas encore la vitesse à laquelle je marche. Bon, je suppose que ça va prendre un peu de temps. On me montre le temps que j'ai déjà mis pour depuis quand j'ai commencé la marche. Donc, les gars, on marche, on marche. On marche et je vais voir avec vous combien de boons je vais pouvoir générer et combien de kilomètres ça. Alors, je vous ai mis quelques extraits de ma marche, mais ce n'était pas complet. Je vais vous laisser épingler plus haut une vidéo où je vous montre vraiment l'entièreté du processus de marche que j'ai essayé avec l'application. C'était juste histoire de vous montrer un peu ce que j'avais fait parce que ça faisait vraiment beaucoup de temps et je ne voulais pas mélanger les deux vidéos. Donc, vous avez, n'est-ce pas, un test live de l'application Oyabun. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout le processus. Dites-moi ce que vous pensez de Oyabun. Dites-moi si vous allez vous lancer. Dites-le en commentaire. Contactez-nous toujours avant, comme on le dit, pour qu'on vous donne les dernières informations concernant le projet. Sur ce, moi, je souhaite beaucoup de courage à l'équipe d'Oyabun. Et je vais bien sûr reporter tout ce que j'ai vu d'incohérent dans l'application à l'équipe. Et on espère que dans quelques mois, on pourra avoir, n'est-ce pas, une bêta publique ouverte à tout le monde. Alors, sur ce, je vous souhaite passer une bonne soirée. Et je vous souhaite, comme d'habitude, d'avoir le maximum d'argent.